Bonjour à tous, bienvenue au Conseil du Coach. Je suis François, je suis coach à l'Orange Bleu. Aujourd'hui, je vais vous proposer un travail sur les mollets, donc principalement sur le solaire. On va travailler sur un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de retrouver en salle. La machine spécifique existe, mais on ne l'a pas dans beaucoup de salles. Donc moi, ce que je vous conseille, on peut le faire chez soi, un banc, une marche, un petit peu de poids, et puis on a de quoi travailler le muscle sollicité. Donc ici, au niveau du placement, on a une position classique, assise sur un banc, un dos droit, conservé. Une marche, au niveau de la marche, on va positionner les pointes de pied sur le rebord de la marche. Veillez à ce que les chevilles soient à l'aplomb des genoux, chevilles dans le vide. Au niveau de l'écartement, on est sur une largeur bassin pour les pieds et pour les genoux. Le poids reposé sur la partie haute des cuisses. Ici, tout simplement, l'exécution, ça va être de chercher une flexion, une extension de la cheville. Donc on va aller chercher le talon au maximum en direction du sol. Et ensuite, on va venir contracter le mollet et souffler sur la phase de montée. Donc un travail vertical. On va venir bien pousser un maximum sur les pointes de pied. Donc insister sur l'amplitude haute. Souvent, on s'arrête à l'horizontale, le pied. Donc là, on peut aller chercher. Vraiment insister là-dessus. Aller chercher l'étirement jusqu'en bas. Bien augmenter l'amplitude. Et donc mon petit conseil là-dessus, c'est qu'en fin de séance, pour sentir un peu plus la congestion, ça va être de maintenir la phase statique, donc garder une contraction pendant 10 secondes à peu près, et terminer ensuite avec une dizaine de contractions en fin de mouvement, où là je vais vraiment me concentrer sur l'intensité et sur le ressenti du mollet. Parce que vous allez voir que le mollet, c'est un muscle qu'on a un peu de mal à ressentir, donc là voilà, le petit conseil que je peux vous apporter. Je vous dis à très bientôt et puis au prochain conseil.